La 7ème course, le prix du haras de la Barbotière avec un excellent départ de Jules Bester et du numéro 5 Debia, suivi du numéro 2 Corbon de Léon, alors que le numéro 5, 6, un prince ferme la marche. Ils sont déjà au milieu du tournant avec un excellent départ toujours du numéro 5 Debia, suivi de Judy Lester. Le numéro 3, Cadesco, essaye aussi de coller au peloton de tête alors qu'ils sont actuellement assez tirés avec un trio de tête en avant. C'est du numéro 5 et du numéro 6, alors que le numéro 2 ferme la marche, lui qui avait pourtant pris un très bon départ. Le numéro 5, Debia, toujours en tête maintenant à 3 longueurs, suivi du numéro 3, Cadesco, enfin Judith Lester est troisième, ils abordent pour le moment le milieu du tournant final. Alors que le numéro 5, Debia, toujours en avant, Judith Lester qui essaye de reprendre le numéro 3, Cadesco, suivi du numéro 6, Un Prince, et du 7, Joy Corbon de Léon, lui ferme la marche. Ils entrent dans le tournant avec Judith Lester au milieu de la piste qui essaye de ravancer le numéro 5, Debia, qui essaye de contrer, ils sont tous les deux à la lutte, alors que le numéro 3, Cadesco, est juste derrière à l'intérieur. Alors que Judy Lester qui lutte de plus en plus fort et qui prend l'avant sur son partenaire avec Debia qui reprend cette as à l'arrivée. Judy Lester remporte cette course, suivi du numéro 5 Debia, le 3 Cadesco termine à la 3ème place. Voilà, Judy Lester, très belle finale, lui qui s'était monté, qui a monté un petit peu en attentiste dans le milieu du dernier parcours pour venir reprendre au numéro 5 Debia la victoire. Arrivé 5, ah pardon, 5 et 3. Et voilà, et Corbon Del Leo qui termine avec Joy qui termine également. À tout le monde.